Alors la carotte. Alors communément on pourrait dire que c'est pour faire avancer le bourricot, mais on en a marre d'être des animaux de trait ou de charrier, tout ce qu'on veut. Donc on peut voir une autre métaphore et c'est un symbole qui en ce moment nous fait plutôt mal. La carotte, c'est le symbole choisi par les pompiers du Rhône pour exprimer leur ras-le-bol. Ils étaient une centaine à manifester devant la préfecture cet après-midi. Ils réclament principalement des effectifs supplémentaires. On a perdu 150 sapeurs-pompiers en 5 ans. Ce n'est pas les 28 recrutements qui sont annoncés au 1er janvier qui vont remettre du monde dans les casernes. Aujourd'hui, dans un contexte d'état d'urgence qui devient durable, avec une hausse des interventions de plus de 10% en moins de 1 an et demi, 2 ans, avec un contexte de violence urbaine qui devient permanent, nous ne sommes plus en mesure d'assurer des interventions dans des délais qui donnent la chance de survie à nos concitoyens. Au même moment se tenait en préfecture une réunion du conseil d'administration des pompiers de la métropole qui a reçu une délégation syndicale, mais un accord semble loin d'être acquis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas déficit d'hommes pour effectuer ces missions. Dans l'agglomération lyonnaise, il faut que les Lyonnais sachent qu'une caserne comme celle de Villeurbanne, par exemple, c'est 6 minutes le temps d'intervention. Donc vous voyez que c'est difficile de faire mieux. Donc il n'y a franchement pas besoin de paniquer. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, les pompiers ont prévu d'autres actions dans les semaines à venir.